Bonjour à tous, je suis Damien Portman, j'ai 50 ans et je suis associé du cabinet Alchemis. Alchemis est un cabinet de conseil en management que j'ai fondé voici quelques années avec Yuan, Johan Philippono. Johan on s'est rencontré chez Volvo, j'étais en charge à ce moment-là des activités de conseil interne. En fait, que ce soit Yuan ou moi, on a une longue carrière dans le conseil, on a connu le meilleur comme le pire. Et en fait, l'idée avec Alchemis, c'est de garder que le meilleur du conseil, de le chérir et de le faire grandir. Plus précisément, Akemi, c'est un cabinet de conseil en management spécialisé dans la transformation des entreprises industrielles autour de trois grandes expertises. La première expertise, c'est la supply chain Ce sont des missions autour de la planification des flux, de la SNOPI, mais aussi de la logistique opérationnelle. Deuxième expertise, c'est l'excellence industrielle. C'est clairement des missions qui concernent ce qui se passe au sein des quatre murs d'une usine. Et troisième expertise, ce sont des missions, par exemple, autour de la gestion de projet. Pour accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits. Ces offres s'adressent à des entreprises industrielles de toute taille, PME, entreprises de taille intermédiaire et grands groupes. Mais notre métier reste volontairement le même, quelle que soit la taille d'entreprise. C'est du conseil très concret, pas de bullshit. On travaille en proximité avec les équipes, au plus proche du terrain. Donc c'est du concret, des résultats et de la bonne humeur. Comme je le disais tout à l'heure, avec Alchemist, on souhaitait reprendre le meilleur du conseil. C'est-à-dire, travailler en proximité, avec bienveillance, avec simplicité. C'est quelque chose qui est très important pour nous. De même que l'équilibre vie pro-vie perso. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important à nos yeux. Nous souhaitons avoir une croissance maîtrisée. En clair, si tu es intéressé par ce projet d'entreprise, n'hésite pas à prendre contact avec nous pour en discuter.